Voilà, monsieur et dame, fin de la cinématique. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? Non, le prends pas comme ça. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Le manuel. Il y a tout là-dedans. Si on lit l'histoire, on trouvera comment te tirer de là. Alors, il était une fois les lumes, c'est l'harmonie, l'amour, la paix. Tu parles d'un scénario. Soudain, le drame. André transforme les lumes rouges en hoodlums. Le monde est en danger. Ah, voilà. Là, ils disent que c'est Globox qui est parti avec tes mains. Ouais, trouillard comme il a dû se planquer quelque part. Ah, ça, ça va pas être évident de lui mettre la main dessus. Surtout pour toi. Hop, hop, hop. En fait, j'ai oublié de te dire, chacune de tes actions te rapporte des points. Tiens, regarde le compteur, je vais te montrer. Brusse-toi, ma poule. Lorsque tu marques des points, le panneau s'abaisse et tu passes en mode combo. C'est là que ça devient génial, parce qu'en mode combo, tes actions valent beaucoup plus. Seulement, faut pas traîner, parce que le mode combo finit par disparaître si tu marques plus de points. Ah, dernier truc. Les points permettent d'acheter des niveaux cachés. Alors, essaye de faire le meilleur score, c'est pas le plus facile. Bon, le manuel a pas l'air terrible, mais en cherchant bien, on devrait trouver deux ou trois trucs utiles. Tiens, là, ils disent que pour sauter, il faut utiliser la touche de saut. Sans blague, voilà une info. Et là, ils disent que pour frapper, il faut presser la touche de tir. Bravo. Non, sérieux, il y a vraiment des types qui ont payé pour écrire ça. Tu peux faire de l'hélico avec tes cheveux. L'hélico avec tes cheveux, ils ont fumé ou quoi? Je te déconseille l'endroit. C'est rempli de vieilles filles complètement gaillères. Oh, mais ce manuel est vraiment épatant. Il explique que les interrupteurs servent à déclencher des mécanismes. Non mais franchement, qui a écrit cette... Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un?
Hey, c'est la boîte Globox. Change pas de pliche. Youhou. Rayman. Oh. Dites, on peut faire ça à trois. Trop de bonheur en début de jeu. Moi, je dis que ça cache quelque chose. Bonjour les étoiles, bonjour la nature, petite fleur, comment t'appelles-tu? Rose, moi c'est Globox. On n'est pas bien là? Oh, Rayman, t'as allumé la lumière, c'est beau. Tiens, qu'est-ce que je disais? Revoilà les méchants. Évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent le compte sur l'épée. Non mais là, c'est plus possible. Après Rayman 2, on m'avait promis un rôle d'artiste tourmenté qui trouvait l'amour avec une fille très... très... intelligente, oui, voilà. Bilan, je me retrouve à faire la mouche dans une série Z.